Bonjour et merci de nous être fidèles. C'est un match international. Eh bien, que nous attendons dans quelques instants. Les hymnes vont retentir. C'est tout. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur FIFA 2017. Ce nouveau quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie. Bon, je vous répète, hein, ça prend peu de répète, malheureusement ce sera le dernier, je ne peux pas faire transition. Ça fait chier vraiment, tant pis. Ce match-là, comment dire, en français, c'est un match plus beau de l'Euro. Les champions du monde face au dernier finaliste de l'Euro 2012, qui était fini, c'est 4-0 par l'Allemagne, par l'Espagne. C'est un très très beau match. Bon, si on va essayer de le faire sans pénalty, hein. Ça reste d'être dur, mais bon, allez, on va essayer. Je l'ai fait au Parc des Princes. Hein. Je vous rappelle, ce match aura lieu normalement samedi soir, si je ne compte pas de conneries. Allez, on va lancer tout de suite le jeu. Allez, c'est parti pour ce quart de finale de l'Euro 2016 entre l'Allemagne et l'Italie. Pour découvrir maintenant la composition d'équipe, il devrait y avoir une grosse bataille au milieu de terrain puisque l'entraîneur a choisi le 4-5-1 pour cette rencontre. De l'heure. Bon, je pense que j'aurais bien une victoire de l'Allemagne quand même. Pour une demi-finale France-Allemagne, je pense. Pour moi, ce serait ça. Je voyais, j'ai cru que c'était la finale, mais je crois plutôt la finale 7. Je pense Belgique, un truc comme ça. Après, il peut toujours avoir une surprise, on ne sait jamais. Il perd ce ballon. Est-ce qu'il va centrer ? Oh, il était tout seul, dommage. Allez. Je vous rappelle, c'est le gars à gauche qui était démarqué. C'était pas moi. Daniel Eder aussi. Ah, dommage. Il sera le premier sur ce ballon. Attention, l'Italie qui a opté pour un très bon jeu de tête. Ah, une défense d'acier. Draxler. Mario Götze qui le dit lui-même, il aime bien jouer au poste de meneur de jeu. Oui, mais j'ajoute qu'il est tout aussi capable d'évoluer. Attention, sur les ailes. Götze ou à côté. Pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Je vais aller dedans. Ah ouais. Oui, c'est mieux un sens de jouer tout seul parce qu'on peut faire un tir au but, parce que quand on est à deux, je suis pas avec Tenax, on peut pas faire un tir au but. C'est ça qui est dommage. Ou faute. C'est ça qui est dommage. J'adore Tenax, j'adore jouer avec lui. Mais c'est ça qui est dommage quand tu joues. Mais attention quand même à sa frappe de loin. Giaccherini. Allez, je donne pas de bonne, tu parles avec. Marzagli. Oh oui. Ah, super défense italienne. Puis j'ai le cap devant la télé, ça merde, mais finalement ils perdent le ballon. Oh, attention. L'Italie qui concède le corner. J'ai remonté le câble. Même pas tenir cette année. C'est bon, alors ça envoie déjà mieux. Je vois déjà mieux les coins. Attention. Ouh, on est facilement à l'adversaire. C'est vraiment dommage. Dommage. Pas avoir su mettre le gardien en danger. Il vient de prendre ce ballon. On est vers la zone de vérité. C'est Kinnear qui me faisait marrer comme il simulait, ça me faisait trop marrer. Le gars lui touche la jambe, l'autre il avait mal à la tête. Ça me fait trop rigoler, c'est beaucoup. Un sacré joueur quand même. Antonio Candreva, Marzagli.
Pour l'instant, moi, l'Italie et la main, c'est les deux équipes qui m'ont le plus impressionné. Avec bien sûr l'Islande. Je ne sais pas y aller. Ah, je m'en doutais que j'allais passer. Ah, attention, la frappe! Ouais, la balle est contrée. Un match très très difficile. Avec une lutte de grosse nation. Je crois qu'est-ce qu'il y a, ouais. Corner, à corner, je crois que c'est une sortie de but. Chiellini balance loin devant. Ouais, il est tout seul. C'est le but de l'Allemagne. Qu'à dire. Le gardien qui s'incline. Et il a su s'en prendre. Premier but pour l'Allemagne. L'Allemagne. Il a mis tout son cœur frapper ce ballon de la tête. 1-0 pour les champions du monde. 1-0 au total d'affichage. Ça fait 4 de Marcus Thuram. Faute indique l'arbitre. Un coup franc pour l'Italie. Et on jouera 2 minutes de temps additionnel. Valeur. La bonne récupération là, de Chiellini. Ouais, le jeu était là, bien vu. Mi-temps. Très beau match pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Bon bah après on se retrouve pour les demi-finales. Sur FIFA 2016. Après bah, la petite finale que je vais faire aussi. Et la grande finale. Oh faute. Même pas. Ouais. La petite finale, puis la grande finale. Tête de Candreva. Passe à l'attaque. Alors, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Votre sentiment, Franck, sur ce qu'a montré Samy Khedira pendant cette phase? Je vois les changements qu'il y a sur cette équipe-là. J'ai pas. Oh, tiens, je vais mettre Mario Gomez à la place de Godieu. Première période. Je vais pas regarder les autres. Excusez-moi. Je suis un vrai Indien. Choigny. Ouais, non, oui, c'est comme ça. Eh bien, il a eu le mérite de donner l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça change tout à fait l'économie de la seconde période. On n'a pas au bout de surprise. Oh merde. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Il est tout seul. Tony Kroos. Oui. Oh non. Il dégage avec autorité, c'est bien joué. De faire l'entraîneur Franck avec ce changement. Tout simplement foncer le clou et se mettre définitivement à l'abri. Mario Gomez. Oui. J'ai pas trop compris. Parce qu'il y a Lucas qui a déconné en même temps. ...2-0 pour l'Allemagne. On va mieux apprécier ce but allemand au ralenti. Le gardien qui est un peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Ok, d'accord. Et ce but, oh, la première elle était dedans, elle était magnifique quand même. 2-0 pour l'équipe d'Allemagne. Et voilà donc avec une avance de 2 buts à présent. L'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. Mario Gomez. Et troisième but pour l'Allemagne. Bon, je pense que ça fera un bon petit 2-0, mais ce sera pas plus long. Il fait plus tout le sang-froid et la lucidité de ce super joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent. Hein, bon, bah, cette fois-ci, je pense pas qu'on aura les tirs au but. Avec lui, ça paraît tout naturel. Matteo Darmian. Il perd de ce ballon. Le joueur a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Eder. Oh, Eder, super joueur. Moi, un joueur que je découvre en championnat d'Europe. Super joueur. Je crois en plus qu'il est né au Brésil, je crois.
était naturalisé par mon italien. Mais je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'il est d'une autre origine. Je crois qu'il est dans un autre pays. Enfin, je sais plus. Il y a un truc comme ça. Oh putain, merde. Et finalement, il récupère. Et sans commettre de faute, hein, c'est bien. Hein. Ozil. La bonne conduite de balle. Mario Gomez tout seul. Mario Gomez. Et l'arrêt de Gianluigi Buffon. Ben non, on va mettre Toni Kroos pas de choses ailleurs. Sur le gardien qui était bien resté vigilant. Draxler, super joueur quand même. Je pense même au niveau de distance, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir jouer dans les groupes de monde. Il y en a deux qui jouent en France, je sais pas du tout. Je crois que c'est un à Nantes, je crois, et l'autre je sais plus c'est où. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que 100 professionnels en Islande. Il y a, je crois, un pays qui compte un peu plus de 300 000 habitants, je crois. Oh, j'ai vu ça ce matin sur la télé, à la télé. Ok, d'accord, on va rien dire. Bon, l'Allemagne qui domine complètement ce match. Antonio Candreva. Ouh, joli le grand pont. La frappe. Attention. Ça va pas marcher à tous les coups. Hein. Ouais, mais attention quand même à sa frappe de loin. Bon, est-ce que vous attendez aussi sur 2017 autant qu'on. Je suis vraiment pressé qu'ils sont. Par-dessus pour Gomez. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Marco Parolo. Ouais, les vidéos, ils en répéteront une par jour. MotoGP, ça arrivera juste après. Logiquement, je vais faire. C'est la dernière vidéo. Elle sera disponible dans les 15 jours. Mardi. Ouais, vendredi, non, il n'y a pas de vendredi. Là, si j'en ai encore une, on est mardi. Et là, je crois après, ce sera du FIFA. Après, ben, bien sûr, faire les. Oh, c'est bien parti. Faire une des demi-finales. Samedi. J'ai autre mal à la formulation. Bon bah voilà, l'Allemagne se qualifie. Moi ouais, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pas un gros plaisir à vous la faire. Allez, sur ce, salut les potos.